Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La Vérité Présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 12e leçon du trimestre intitulée « Mourir comme le grain ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, n'a pas demandé à la sœur Tristan de prier pour nous. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes d'être appelés tes enfants. Merci du fait que nous gagnons possibilité pour nous étudier parole ou et partager-li à d'autres amis. N'apmande au Seigneur, s'il te plaît, assistez-nous par Saint-Esprit ou et aidez-nous pour que le son soit capable très bien élaboré afin que les capables adjoindre auditeur yo adjoindre zamin yo clair et compréhensif et comme ça yo capable tirer de très bonnes leçons. Ba nous possibilité également pour nous capables pratiquer et donner à nos auditeurs de pratiquer les leçons que nous apprenons là-dedans yo. Et ceci c'est pour salut nous et pour le salut de nos amis auditeurs. Entends nos prières que nous adressons à vous-même au nom de Jésus. Amen. Suivez, mesdames, messieurs, la Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 12e leçon du trimestre, intitulée « Mourir comme le grain ». Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à mes collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter la leçon. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Jean chapitre 12, le verset 24, il est dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Mesdames, messieurs, chers collègues, nous capables de comprendre très bien l'image que Jésus-Christ voulait faire passer. Côté que Jésus-Christ prend image yon grain de blé, côté que qui tombait nan yon terre, c'est une analogie qui est très intéressante, qui est capable de montrer nous qui gens que nous devons soumettre nous à la volonté de Dieu. Parce que tout d'abord, grenan li fait tomber. Et lorsque grenan tombe, avant que grenan capable faire tourner yon tige de blé, eh ben li pa gen contrôle sou li ni sou an doa kote ke grain nan tombe an. Tout simplement, et grain nan tombe dans sol lan, et c'est bon Dieu lui-même qui permet que grain nan tombe ou semer nan, nan cas sa que Jésus représente semer nan, a dit que grain nan pa gen pièce contrôle sou li, ni sou sol kote ke le tombe an. Et deuxièmement, ça que nous capable comprendre, lorsque grain nan tombe dans sol lan, nan terre nan, donc, il y a une période d'attente. Côté que grenan, il faut que le capable rester là pour que le capable pourri, pour que en d'autres termes pour que le mouri. Cela veut dire si grenan pas mouri, il pas capable et il pas capable germer, il pas capable retourner à la vie pour que il capable produire, pour que le capable faire blé. Troisièmement, donc c'est ça que nous relé côté le mouriant, la mort. Parce que grain n'est pas capable de produire sans que il pas passé par la mort. C'est même bagaille pour nous autres. Et lorsque nous acceptons Christ dans la vie, nous, lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous faisons baptiser, il faut que nous acceptions pour que nous mourions, pour que nous mourions dans le caractère, nous, dans le comportement. Nous. D'ailleurs, c'est ça le baptême, je l'ai dit. Lorsque vous baptisez ou ensevelis avec Christ, ou mourir avec Christ, donc tout mauvais caractère yo doit rester en bas de l'eau dans bassin et ou lever un monde transformé, un monde nouveau et c'est alors que l'esprit de Dieu
vin habite la kayou, donc ou kapap pote fwi. C'est ça que fait à travers semaine ça. Nous va comprendre exactement volonté bon Dieu dans la vie. Nous va connaître exactement que pour que nous porte fruit, nous devons dépendre de bon Dieu. Nous devons sous contrôle bon Dieu. Donc analogie ça a fait graine qui tombe dans terre là. Donc c'est li ban nous exemple de soumission qui gens pour que nous capable soumettre nous à bon Dieu noir. C'est ça que fait dans la première partie leçon. Nous avons demandé à pasteur Wilfried Louis-Jean qui ça que le capable dit nous sur la soumission pour le service. Qui ça que le capable dit nous plus sur nous. Salut toute famille, amis nous yo, et spécialement pasteur Dimi, pasteur Etienne, c'est Alain qui est ensemble avec nous. Mais toutes frères et sœurs nous yo qui attendaient la vérité présente qui s'est fin l'émission la vérité présente. Leçon dimanche qui 11 septembre, il parlait de soumission pour le service. Bon, ça c'est un problème lié à ça. À son problème, partilé sur ça, son problème qui est très difficile. C'est vrai, dans la culture que nous vivons là, et ça nous a appris les grands savants et les cultures contemporaines, ils voulaient pour nous tous connaître les droits nous et nous affirmer les droits. Je ne sais pas si j'aime à parler avec les Américains. Ou avancer devant bouche li ou ka bon calotte ki ka pousse ou ka bata avo parce qu'il dit ou invade privacy li. Et il y en a ti moun mwen yo ils vont te font bagarre devant maman depuis ça ça veut dire parce que pas contre toute culture américaine là de dit parce que grand monde qui te longe doit être dans figure l'autre monde on va le faire intermédiaire là dans normalement de on ti moun mwen yo je dis ah pap son monde doit être dans figure galado va on doit être dans figure Jean américain ouais ça veut dire droit yon moun son bagay moun reme en pile son bagay moun ki respecte li pa vle ko dépasse droit li bon même j'ai avec Jésus bon Dieu ka mande moi même avou même ki chrétien pour nous renoncer volontairement moi brin dit ça volontairement li pa forcer ou c'est pas makou bon c'est pas makou pour volontairement ou renoncer à droit ko gagner pour capable servir papa, pour capable avoir un impact vraiment positif dans le royaume de Jésus, dans le royaume de Dieu. Bon, processus pour renoncer à droit, quitter droit tomber, tant que pas ça se dit, quitter tigre nan mouri, pour bon Dieu faire vivre, pour bal essence, pour bal oxygène. Ah, c'est difficile. C'est difficile. Quand on pile parent cap dit moi c'est papa mien si mon a dérespecté moi c'est lui pour venir mettre à genoux dans pied pour venir demander pas ah en pire go droit nous nous pas avec ça cependant Jésus montre nous un bagage tellement totalement différent c'est vers ça me plus révélé dans la Bible pour me prêcher lorsque on parle de Philippiens 2 verset 5 à 9 dans mes lit verset 5 à 8 pour nous en attendant tout le monde dans nous lit ça l'apôtre Paul commencer pour montrer nous qui trois bagages bon Jésus fait pour renoncer à propre tête li à droit li pour capable servir dans le royaume de son père. Il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Chaque chrétien qui attend le son ça. Tendez ça bien. Il dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un seul homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà le chrétien. Voilà l'exemple de chrétien. Pour nous, chaque capitaine de leçon, cap vivre, qui dirigeant, qui pasteur, il y a trois bagages importants que Jésus fait. Pour Jésus lui-même, pour sauver moi-même, pour sauver l'humanité, même si c'était moi-même seulement qui avais mouru. Pardon, il renonçait à l'égalité que j'ai avec papa. Il est Dieu égal à son père. Il renonçait à l'égalité ça, il venait sous la terre, il n'a un état limité, il prend forme humaine. Il semble avec moi même qui était graine qui ont nez qui ont yeux qui capable souffrir qui grippé qui a toute qualité maladie
li accepte renonce a droit bon Dieu li pou li descend sou la pou rassouler mwen mabo pou sauver mwen mabo li vini sous forme humaine mais une forme qui pas glorieuse. Imaginez, moi même m'a fait le son. Moi je prends capable prendre Jésus pour vrai. Si c'est pas l'intervention divine. Ah comme un roi ou vient faire naissance dans petite étape tout sale côté bête rété. Maman pas un côté pour rété. Papa pas un côté pour rété. Voilà, même dans petit hôtel ou pas enfermé pour faire. C'est dans côté bête rété ou à faire. Ah comme un roi. Remarquez l'humilité dans la leçon. L'humilité de Jésus, le roi par excellence, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui vient prendre place, qui pime à la femme quand même de un petit poteau pour être avec mon papa, il vient se dans étalant bête, il prend naissance. Gardez l'humilité pour le capable sauver moi ma voix. En tant que serviteur, roi vient serviteur, c'est pas n'importe quel serviteur, mais Jésus, en tant que serviteur, il va vivre long, il va vivre une vie pénible. Les grands goûts, les passés misères, mais les obéir avec papa pour qu'à sauver ma voix, obéissant jusqu'à la mort. La personne vous dit non, 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 c'est pas n'importe quelle mort. Oh, moi, je suis dans la cabane, je suis malade, à l'hôpital, je suis belle dans moi. Je ne sais pas que ça. Les mourir des plus mauvais morts gagnent. Tout ça, pas bon, yo. Jésus descend dans le niveau. C'est comme si vous avez 10, vous avez 10 à 0. Donc, même si ça va me penser, je me dis, ah, les difficiles avec juifs si ne sont pas chrétiens pour qu'on ait Jésus été oué. Oui. Vraiment avec ça. Nous-mêmes qui servit l'éternel. Dans quel domaine, qui exemple nous gagne de Jésus comme modèle nous? Qui ça m'a avoir supposé perdre droit nous? Perdre égalité nous? Oh, là, on a des slides dans l'église. On prend, moi, c'est mon sanctionné, c'est premier sanctionné. On est consacré, c'est 10 mètres diable. Nous orgueillés, Jésus abandonné. Qui ça ancien, qui ça pasteur, qui ça un diacre, la voix de comme ça va sortir. Nous pas Jésus, il descend jusqu'à terre pour nous sauver nous. Qui ça moi m'avoir doué abandonner. Qui droit nous, l'égalité nous pour nous capable servir bon Dieu, pour servir l'autre frère, pour nous faire qui a terre, nous prendre nous monter. Jésus-Christ abandonne tout bagage ça yo pour sauver moi m'avoir. Et moi m'avoir, qui ça nous prêt pour nous abandonner, pour nous capable remonter avec le monde, remonter avec l'église, remonter avec un jeune qui tombé, avec un soeur, un frère qui tombé, pour nous bailler, pour nous sauver. Soumission pour le service. Yes! Eh bien, c'est Tristan, lundi 12 septembre, il dit la mort précède la connaissance de la volonté de Dieu. Sans cas de nous de ça. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes amis auditeurs nous yo. Moi content avec nous, moi content ouais nous. Avant que moi t'étende pasteur Étienne avec pasteur Wilfried, le moi t'appli parti mardi, parti lundi, m'ai trouvé que c'est un paradoxe parce que comment pour moi arriver connait volonté bon Dieu et puis pour mourir avant. Les morts ne savent rien, c'est ça que et même la Bible dit après la mort pas gain sagesse, pas gain l'amour, pas gain connaissance. Même vin réaliser ce que ça veut dire mourir avant de connaître la volonté de Dieu et nous parlons ça ensemble. Gen pile moun ki kon di que ah si m te ka konnen volonté bon Dieu on a fait un pile sacrifice pour ça. Et gemon vraiment c'est à tout cœur que tu as aimé connaît la volonté de bon Dieu, qu'a cherché la volonté connaît la volonté de Dieu. Mais malgré tout, nous arrivé dans situation côté vraiment même nous gain désir là, mais nous confus. Et Paul, dans Romains 12, versets 1 et 2, moi, mes textes ça en pile, m'appelle pour nous, qui dit, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et verset 2 continue pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, nous devons comprendre que pour capable connaître la volonté de Dieu, il y a un travail spécial qui doit être fait dans la vie nous. Pasteur Wilfred se montre nous comment nous devons mourir. Et pasteur Étienne dit, tant que nous petit grain pour porter fruit, li ou mettez l'antialan, li mourir, li pourri. S'il pas pourri, li pas capable porter fruit. Mais c'est même genre tout pour nous-mêmes pour que nous capable connaître la volonté de Dieu. Gen un effort qui pour faire la caille nous. Effort qui pour faire la caille nous, c'est pour nous capable éliminer le vieil homme qui en nous. Gros tant que vous pas ce que vous dit, haute personnalité qui fait que nous considérons nous comme un gros ceci, gros cela, si nous étions comme ça, nous pas jamais gagner un esprit renouvelé. Qui est capable d'aider nous à comprendre la volonté de Dieu. Donc, Romains 12, verset 1er, lui montre nous que si effectivement nous voulons connaître la volonté de Dieu, il faut que nous mettions-nous en condition pour nous offrir à l'Éternel comme un sacrifice. Éliminer le vieil homme qui est en nous. Et à ce moment-là, nous sommes capables. Bon devant Dieu, agréable et parfait devant mon Dieu. Et ensuite, n'a pas capable connaître qu'on comprenne compassion bon Dieu pour nous-mêmes. Et il y a un bagage qui attire attention. C'est quand elle dit que dans la vie pas nous faut que nous connaissons que renouveau spirituel là, il dépend d'abord de mort nous à nous-mêmes. Il n'est pas suffisant seulement pour que c'est Christ qui t'ait souffri pour nous, mais nous voyons que Jésus t'est mort. Jésus t'est mort pour lui capable prendre place nous et puis nous-mêmes même pour le bannir la vie. Mais c'est même gens tout nous-mêmes pour nous capable présenter comme un sacrifice vivant, faut que nous mourir au péché, mourir et en nous-mêmes pour que nous capables paraître pour nous offrir vraiment tête nous comme un sacrifice devant le Seigneur. Et si dans la vie nous pas en mesure pour nous découvrir qui problème qui fait que effectivement nous pas capables et présenter devant bon Dieu comme un sacrifice vivant, n'a mandé le Saint-Esprit pour lui aider nous. Mandé le Saint-Esprit pour lui et ouvrir yeux nous pour que nous capables en mesure vraiment pour nous abandonner nous totalement par le Seigneur pour que nous capables représenter un sacrifice vivant pour bon Dieu. Souvent souffrance qu'on aide nous alors. Lorsque nous avons difficulté pour nous reconnaître effectivement et qui ça qui empêche nous ou état nous pour que nous capable offrir tête nous en sacrifice by le Seigneur, li kon kite nous tomber dans problème, li kon kite nous souffrir. Nous ça déjà dans leçon qui nous étudier déjà yo. Parfois c'est dans creuser, c'est dans problème, c'est dans difficulté. Attention nous ou bien nous pour aller comprendre. Nous pour comprendre on sait de bagaille dans la vie nous qui pas normal, qui pas bon. Et dans souffrance là, souffrance pas seulement aider nous faire face à péché à non, ça qui pi important, li fait nous comprendre gros sacrifice que Jésus te fait. Li fait nous goûter un petit calme dans souffrance que Jésus t'a accepté pour nous.
et gagne un auteur qui rele Elizabeth Elliot, li écrit comme ça. Li dit, l'abandon du désir le plus profond de notre cœur est peut-être aussi proche que nous arrivons à une compréhension de la croix. Notre propre expérience de la crucifixion, bien qu'incommensurablement inférieure à celle de notre Sauveur, nous donne néanmoins une chance de commencer à le connaître dans la communion de ses souffrances. Donc, lorsque vraiment nous voulons, nous avons volonté pour que nous connaissions ou que nous connaissions la volonté de Dieu, une petite compréhension de sacrifice Jésus hein, l'a aidé nous à comprendre effectivement, et sacrifice Jésus hein, et ça va aider nous à discerner et la volonté de Dieu et ça donne nous une vision plus claire de qui ça bon Dieu y est vraiment dans la vie nous et le ça n'a pas comment li bon vraiment pour que nous capables dépendre totalement de Dieu et que bon Dieu capable utiliser nous et laisser n'a un sacrifice qui acceptable aux yeux de Dieu. Très bien. Amen, 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 amen. Pasteur Étienne, sois pensé de son mardi 13 septembre qui parlait de l'empressement à écouter. Bien. Et l'empressement à écouter la partie du mardi 13 septembre. Parti ça, il fait allusion, fait écho avec ça que l'apôtre Jacques enseigne nous pour que nous capables lent à parler et prompt à écouter. Bon Dieu, il mettait devant nous privilège pour que nous capables apprendre pour nous tendre voile. Yo rappelez-nous, yo parlez-nous de présentez-nous récit côté que le petit Samuel l'était dans temple. Vous connaissez l'histoire lorsque Elkanah avec Elkanah ma Penina. Maintenant, lorsque madame n'a pas de fait petit, lui fait bon Dieu confiance et bon Dieu répond cri que lui. Donc, côté que Samuel vient fait et Samuel, il remet Samuel à Élie. Élie, pas Élie le prophète, Élie le prêtre, le sacrificateur, qui était à prendre soin de temple. Non. Maintenant, Samuel là, ensemble avec Élie dans le temple. Et c'est dans où qu'on est, Jean-Claude Bécadio, tant qu'aujourd'hui, en personne, passionné, dans où qu'on est que Élie t'a habité dans le temple, non? T'a habité dans l'église, non? Donc, et si Samuel, pour aller, remettre à Élie, pour que il capable, c'est un apprentissage, pour que le capable grandir là, et qu'on est qui j'en pour servir l'éternel, pour le servir peuple dans tout lorsque lui est grand et gon bagaille qui passé c'est que petit Elio petit prêtre petit sacrificateur Eli eh ben yo a fait toute qualité bagaille qui pas plaire bon Dieu fait toute qualité bagaille qui pas fait peuple dans plaisir tout et ti Samuel il a grandi cependant bon Dieu pral parler avec Samuel. Vous savez, lorsque parents li menon bay bon Dieu, présentons à l'église. Ou soit parents li vle que ou marche avec bon Dieu. Li vle que ou tende voix bon Dieu, obéi à bon Dieu. Mais gon bagay qui important, c'est pas ça que parents vle. C'est pas que sa parents décidé, mais c'est ou même qui pral faire propre expérience pour avec bon Dieu. Tandis que Samuel a grandi, il a dans top nan, bon Dieu pral fait expérience avec Samuel. Bon Dieu paraît, bon Dieu relé. Il relé Samuel. Et en première fois, yon deuxième fois, yon troisième fois. Et Samuel, lorsque pendant et appel nan, Samuel troublé,
li al di Eli, mwen tande voyon moun ki rele. Et Eli li kouri de Samuel. Li di Samuel, non, tounen al domi ti bonhomme. Pa gen moun ki rele ouvre. Et deuxième fois, li di Eli même bagana. Eli kouri de el, tounen al domi ba moun ki rele ou. Et nan troisième fois, Eli vin comprendre que c'est l'Éternel qui a cherché Samuel pour communiquer avec elle. Maintenant, lorsque Samuel dit Elisa, Eli dit OK, next time on t'allez voir, parle, ton serviteur écoute. Et nous voyons que Samuel lui fait ça, lui prend ça que Eli te dit là. Si qu'on lit dans lit tout un chapitre 1 Samuel 3, 1 Samuel 2, on va comprendre ça que nous avons dit, nous résumer le pour. Dans verset 10 dans 1 Samuel 3. Mais ça que dit l'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel, et Samuel répondit parle. Car ton serviteur écoute. Maintenant, nous voilà là l'empressement à écouter. Ça veut dire, il y a une grande différence entre Samuel et les fils d'Élie. Les fils d'Élie qui refusaient pour obéir, refusaient pour qu'ils soient capables de comprendre l'Éternel, tant de voir l'Éternel, mais Samuel était prompt pour qu'il écoute la voix de l'Éternel. Samuel était empressé pour le capable coûter la voix de l'Éternel. C'est un contraste entre vie Samuel et vie petite prêtre, petite sacrificateur Élie. Maintenant, nous voyons que l'important pour que nous capables apprendre tant de voix, bon Dieu. Vous savez, en pile fois, collègues moi, vous capable témoigner ça, vous capable faire même expérience là. Et en pile fois, lorsque on en causer. En pile fois lorsqu'on a fait face à des moments difficiles, parce que pas oublier Samuel, les mamans laissent l'entendre, maman a abandonné l'entendre si qu'on voulait parce qu'il voulait mettre Yaeli. Donc en d'autres termes, Samuel pas joui privilège maternel, yeah. Privilège que t'es joint, il t'es de joint quand il parle, quand maman a pas parlé, parce que lui lagué là l'entendre. Et c'est sûr et certain, étant Élie, amen, étant Samuel en temps plein, li ouais, ou soit li apprendre qui sa petite prête n'a fait. Et lui-même, li, lorsque bon Dieu parlait avec lui, bon Dieu relil, li pas fait sous d'oreille. Premièrement, li tonti jan, li tonti jan doute, li al di patron, l'al di mentor li, que m'tanon voix kap relil. Et li tande voix Eli qui dit qui ça pour le faire. Donc jodi moi même avec vous lorsque nous a fait face à des difficultés. Bon Dieu parler avec nous. Bon Dieu rele nous. Parfois il y a circonstances courrier. Il y a moment de détresse que on a passé. Bon Dieu a passé ou à l'épreuve. Bon Dieu rele ou, li rele ou. Juste pour que le capable pour sentir que li avec ou li là. Avec vous, dans l'espace, dans l'occupé espace nan avec vous. Donc, nous besoin pour que nous prêts, pour que nous capables de tendre la voix de bon Dieu, pour que nous écoutions la voix de l'Éternel. Un grand prédicateur Charles Stanley, lui décrit combien l'essentiel pour que nous capables de cultiver la réceptivité à la voix de Dieu dans ce qu'il appelle passer neutre. Il déclarait que le Saint-Esprit pas parler juste pour que le capable transmettre une information. Le Saint-Esprit parlait avec nous pour que nous capables obtenir une réponse et pour lui-même tout, pour l'Esprit bon Dieu capable de donner une réponse tout. Cela veut dire faut nous gagner discernement pour que nous connaissions qui le c'est voix bon Dieu qui a parlé. Qui le c'est voix bon Dieu que nous entendons. Pas oublier que et Satan li camoufle tout bagay. Satan contrefait tout bagay. Ça veut dire en pile fois
nous capable penser c'est bon Dieu, c'est voir bon Dieu, et puis Satan li camoufler li pour que le capable faire nous sentir que c'est bon Dieu. Mm-hmm. Mais nous besoin pour que nous gagne discernement, pour que nous faire différence là. Et en seule façon que nous capable faire différence là, c'est lorsque nous quitter l'esprit de Dieu habiter en nous. Lorsque l'esprit a parlé avec nous, il a besoin pour que nous capable répondre pour avant que même les transformer nous. Et dans cas ça, en pile fois, nous besoin pour que nous capable garder silence. Parce que si que gen woy autour de ou même, gen bruit, gen vacarme ou troublé, donc on pas capable discerner la voix de Dieu, la voix de l'esprit saint qui parle avec vous. Donc on besoin pour que vous capable parfois faire silence. Ou besoin pour que vous capable apprendre, pour que vous obéi, pour que vous fidèle à ça que bon Dieu mandé. C'est description ça que Charles Stanley, un grand prédicateur, l'illustre, li ban nou en pile détail. Donc d'après ou même question que m'ta va poser ou sous ça que Stanley li présenté à nous-mêmes. Combien de fois que ou réalisé que gen bagay peut-être wap fait pas bon et que bon Dieu li ap appelé ou li vin rele ou pour parler avec ou pour aide ou pour détourner de ça ka wap fait pas bon mais ou pas répondre ou pas écouter. Combien de fois gen bagay ko besoin réaliser ou impatient? Bon Dieu vin appeler ou pour parler avec ou pour bon yon message d'attente, un message d'espoir. Mais ou pas gen empressement pour écouter la voix de Dieu. Donc ou besoin pour que ou réfléchi sur le son ça, pour que ou apprenne pour obéir à la voix de Dieu, pour fidèle à bon Dieu. Et pour que vous demandez bon Dieu discernement, qui gens pour que vous capable reconnaître que c'est lui-même qui a prélé ou c'est lui-même qui voulait parler avec vous. Et c'est ça que Samuel t'a fait, qui est complètement différent, parce que c'est sûr et certain, les fils d'Eli, en tant que fils du prêtre, lorsque bon Dieu a fait toute qualité de bagaille qui pas bon, c'est sûr et certain, bon Dieu essayait appeler vous. Bon Dieu essayait parler avec vous. Mais yo pas gain empressement pour capable coûter voir bon Dieu parce que yo gagné dans ça fait qui pas bon et vous connaissez le reste de l'histoire qui s'est arrivé les fils d'Eli et qui s'est arrivé Eli tout à cause de tolérance li en tant que prêtre il pas capable aider ti messieurs yo pour que yo capable marcher selon la voie de Dieu donc là à écouter en nuancé ti moun nou yo pour que nous partons pour Eli. En ce timoun yo pour gen crainte pour bon Dieu. En ce timoun yo pour connaître qui il est, c'est voir bon Dieu qui a parlé avec vous. Pour que vous capable répondre et tendez que bon Dieu a adressé la yo et pour que vous répondre. C'est ça que nous capable dire sur l'empressement à écouter l'expérience de Samuel avec l'Éternel. Amen. Amen. Compter sur soi-même, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose? Pasteur Jimmy. Bon, merci en pile, Tristan, et merci en pile pour tout les amis nous captant de nous et déjà nous saluer. Nous avons un privilège pour nous faire avec vous-même et partager avec vous le son, mais que vous dites qui dit non compter sur soi-même qui danger ça la donne lorsque nous compter sur tête nous d'où et il y a un problème que moi-même et pasteur Étienne pasteur de Jean ce tu sais nous même capitaine nous cadre pas d'accord avec nous c'est que il y a un problème l'église gain je dis c'est que nous compter sur nous-mêmes trop nous compter sur l'école l'étude que nous fait qui fait que parfois bon Dieu pas qu'à transitionner pas qu'attentionner nous-mêmes d'un niveau à l'autre niveau parce que nous pas attendre comme pasteur Saint Dédia nous gain droit pour entendre la parole de pour entendre et obéir et comprendre d'où nous comprendre que c'est puis un problème que l'église a confronté aujourd'hui et nous parle d'où que lorsque nous compter sur nous-mêmes sur propre force nous eh bien nous capable dire nous pouvons nous ruiner ou du moins être capable démolir et détruire notre soumission à la volonté de Dieu. C'est un grand danger. Et c'est ça qui est arrivé. Et c'est ça qui est arrivé, qui est arrivé pour mes parents. Et c'est ça qui vient arriver aussi avec le roi Saül. D'où nous allons lire avec vous dans 1 Samuel chapitre 13
le verset. Il dit nous que à partir du verset 1er avec 13, 14, mais n'a plus le verset 14, on va faire lecture après pour capable bien mettre base ça que nous allons dire. D'où, il dit, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné. Là, c'est Saül qui a rapporté avec, non, excusez-moi, c'est Samuel qui a rapporté avec Saül, mais ça crive, mais ça peut arriver lorsqu'on pas attendait la parole de Dieu. D'où nous parlons que il y a trois caractéristiques, trois raisons que ben, nous dans le son hein, qui peuvent montrer chute, monsieur, que parole ça a réalisé dans la vie, monsieur. Et c'est clair que, ou comme Adam et Ève, tout ça arrivé parce que tu es compté sur propre force, il n'y a pas de chita sous ça, bon Dieu demandait qui fait que ça, nous arrivons là. Et c'est même problème là qui a continué de arriver à arriver et nous compter sur propre sagesse. Non, nous voulons permettre que nous pas faire confiance, nous voulons faire propre jugement, nous confiance, nous pas faire confiance à la parole de Dieu. Nous, ou capable remarquer comment indépendance ça a vint saccager reine Saül, non dépend sur propre tête connaissance. Nous, et là nous lit l'histoire, nous voyons que raison Saül vient faire nous voir ça qui est arrivé, monsieur Saül. Premièrement, il dit nous que Saül dit qu'on s'est j'ai vu. Là encore, il y a plusieurs connotations, mais dans le contexte mal compris dans le son, Saül a convoité sa bonne de dédile, pas prend. Tellement le bagaille au bel, lui a le convoité, mon cher, moi, bête, ça au bel, si yo, on a fait sacrifice à l'Éternel, l'a fait bon Dieu bien, parce que l'Éternel a mis un sacrifice, d'ailleurs, c'est dans ça pour nous toucher l'Éternel. Mais dans le bal, il dit, Saül, comment, man? That's not what I want. Pas oublier que ça, même ça, Samuel va le dire, bon, connons bien que l'Éternel dit qu'on sait que l'obéissance vaut mieux que sacrifice. So, c'est ça que vous devez chercher. Et c'est un critère qui peut le permettre de perdre kingship. Et c'est ça qu'à cause de nous-mêmes, toujours dit, ah, nous pas joué la faveur de l'Éternel parce que nous pas obéi avec parole, bon Dieu, capable pour nous, cause, et ça nous besoin retarder. Nous en plus tard. Et deuxièmement, il dit que non seulement ça il passe ça. Non seulement monsieur ouais, monsieur passe en action. Alors mec, monsieur, par contre, qui ça qui a passé dans tête monsieur? C'est ça qui passe qu'on voit tes affaires. De pour ouais. Li pour soi faire action et pour passer monsieur voit comment il pas le passer de côté pour qu'apprendre bête pour ça il pour Samuel pas connaît parce qu'il parle de si Samuel connaît, il connaît que Samuel va toucher pas ça pour le faire. Il passe non, il dit je passe ça et j'ai vu. Et encore Debia, dis-nous que monsieur dit, j'ai dit, lui dit que dans lui, vous faites bien, vous faites sens à l'Éternel, et que Philistin eux-mêmes, que monsieur finit gagner, battre dans la bataille que le fait, lui voit que normalement, bagaille, ça va pas le faire paraître façonner les yeux, monsieur, et devant eux, et certainement, monsieur, pensez tout, ça va pas faire beaucoup de plaisir. Ça a encore son problème. Donc encore, il continue, dans le troisième point, il dit que non, monsieur a encore fait même à passer, il dit Saül passa et j'ai dit. Et on passe encore, il dit, et j'ai pensé. Il a pensé pour l'Éternel, comme si, il n'est pas mauvais, non, que nous sommes capables de dire que tendance, monsieur Gagnon, mais depuis qu'il n'est pas accordé avec la volonté de Dieu, il vit nos problèmes. Et ce n'est pas ça, mon Dieu, mon Dieu, t'es a dit, monsieur, qu'il n'y a rien. Son misère convoité, dans convoitise, la convoitise, monsieur, avait mené, monsieur, dans désobéir parole de l'Éternel, commandement, avait mené, monsieur, dans la chute. Ça montre donc que offrir un sacrifice à l'Éternel n'est pas un problème. Mais si le sacrifice-là, ce n'est pas ça, bon Dieu, demander, si bon Dieu ne pas apprécier, ni pas appeler, ou le faire, des fois, ou sans faire, bon Dieu ne pas prendre le cas de Caïn. Pour nous dire, ou bien pour qu'on comprenne que sans faire l'Éternel, la folie, il faut le désirer, faut lui gagner valeur, faut bon Dieu apprécier. Ce n'est pas action pour faire mon ouéa qui parle l'important pour Dieu, mais c'est cœur. Et que monsieur Pat n'a ça que nous devons faire. D'où, il faut nous comprendre que lorsque nous comptons sur notre vision humaine, non, nous amener avec action et propre intelligence, non, eh bien, nous vîmes ça mener nous pour nous fautifs, pour nous ruiner, pour capable déranger consentement, non, obéissance, non, à la parole de Dieu. Ça va nous montrer que ça a eu lui-même lui perdu. Lui rejeté et de même temps, tout le monde avec nous-mêmes, si nous apprenons à confier nous dans ça, bon Dieu mandé, pas dans ça au compter, dans ça au penser, parce que, pas oublier la Bible, mes yeux ne sont pas, c'est ma paraphrase, yeux, chemin ou pas chemin, si vous mettez le comme ça. D'ailleurs, c'est pour me dire que, sans doute à penser, c'est pas ça bon Dieu voulait.
est toujours important pour nous compter simplement, pour nous agir selon sa bonne demande, parce que parfois, des inouïs et objectifs n'ont qu'à tromper nous vers Dieu. D'où, je veux comprendre que moi, avec aujourd'hui, hein, si nous avons besoin d'arrêter dans le programme mon Dieu, dans le plan mon Dieu, nous avons besoin de faire base, pour nous obéir, pour nous tendre, pour nous appliquer, pour nous mettre la foi, non, pour que mon Dieu capable de continuer de faire ça avec nous, même si ça va venir demain, jeudi, demain, après-demain, après-demain, moi avec moi, bon Dieu, pas quitter le conseil pour ne pas réaliser ça, bien pour faire pour nous, et c'est ça, bon Dieu, voulait pour nous capable de comprendre. Pasteur Lujan, c'est clairement que dernière partie a li parlé non de expédient, c'est un mot adjectif. Et dans quelle façon ou bien est-ce que nous avons des constats? Dans quel moyen que ou bien quel moyen que nous capables fier dans l'autre expédient ou bien qui ça expédient dans son ensemble? Si me fait question, on a espéré que licencié par rapport à partie leçon. Expédient, les capables un mot nouveau pour nous toutes et en plus mon qui a fait leçon là. Donc, on va utiliser expédient le plus souvent, mais nous ne connaissons pas le vocabulaire, nous ne connaissons pas le mot. Maintenant, on va chercher le mot. Moi, je veux dire ressources momentanées pour se tirer d'embarras sans résoudre la difficulté essentielle. C'est des moyens que nous-mêmes nous utilisons. Nous avons une situation terrible, mais pour ne pas comprendre, nous cherchons un Jamaïcain dia un shortcut. J'ai un shortcut et puis nous fait semblant que le problème n'a résolu, mais le problème essentiel là pas résolu. Même j'ai dit parce que Dimi dans les sons hier là. Pas vrai, les nous compter sous propre force nous, eh bien ça saper soumission nous à la volonté de Dieu. Nous compter sur nous-mêmes qui monde que nous sommes. Quand un pile monde déprimé, qui ça a fait? Le plus souvent, il a acheté quelque chose qui est capable de faire force, de faire bonheur. Ça arrive dans l'église de nous en pile. Les maps lui font ça en content. Ça arrive dans la communauté de nous en pile. Quand nous sommes si nous incompétents, nous montrons ce qui est célèbre que nous. Moun ka ba plus problème di gen connaissance di fait trois fait philosophie pèse c'est là dans l'église là ba di yon département pou wè li mouri la men parce que nous compté sous tête nous trop lorsque difficulté ou vini en pile moun gen problème la madame yo gon ti en kay la a Maria madame nan nèg la chèche son boubou dehors pou so a fia chèche yon jeune nèg dehors mais problème essentiel là pas jamais résolu. Auteur a dit ça, c'est expédient. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le temps pour faire semblant que le problème résoudre? Non, il n'est pas résolu. Donc, le son ça, le son jeudi, il montre nous, parfois, dans la situation, c'est seulement une aide surnaturelle qui est capable de résoudre le problème, c'est la présence de Dieu, l'intervention divine, capable de résoudre le problème. Ah, j'ai trois expédients. Je vais trois expédients au travail. Je vais aimé nous-mêmes tout nous tendre. Premier expédient, il dit, en plus là, nous-mêmes, nous utilisons logique humaine, ou soit expérience que nous faisons dans le passé, dans la vie, nous, dans l'éducation, nous. Tandis que ce n'est pas ça nos besoins. Nous avons besoin d'une révélation divine, nouvelle envie. La situation que nous avons, nous avons passé, nous avons connaissance. Est-ce que nous avons besoin de tenter, bon Dieu, de parler avec nous? Je dis, deuxièmement, parfois nous bloquons le problème. Nous bloquons le problème, nous avons passé, nous. Est-ce que son solution nous avons besoin avec le problème? Ce n'est pas bloquer pour nous bloquer, c'est bon Dieu qui a apporté une solution pour nous. Ça, c'est expédient. Comprendre, en dans l'église, je charge l'expédition. Troisièmement, monsieur Dieu, on l'a expédié encore, nous fuyons la réalité, nous évitons, bon Dieu. Nous avons dit que nous avons mourir, nous avons dit est-ce que tu es mort ou pas, je ne sais pas si nous mort. Américains ont dit que nous ou dans dinaire. Donc, c'est mon troisième. Et on t'a expliqué l'histoire de Zacharie que nous connaissons, que nous jouons et Zéobabel. Le peuple Israël en captivité en Égypte, après 70 ans, bon Dieu fait un roi, il a un bon cœur, bon Dieu signe pour roi
bay permission à Zorobabel pour retourner la Kali en Jérusalem à reconstruire le temple de Dieu. Alors que j'ai a reconstruit le temple de Dieu, eh bien, M. Sabala au camp en face, yo, en pile problème. À un certain moment, bon, M. Obligé, gon groupe ne cap travail, et puis Zamounan d'autour sur une attaque pour carte bataille. Situation très difficile. Est-ce que bon Dieu pas là? Est-ce que bon Dieu pas le temple en construit? Est-ce que bon Dieu pas voyer vous à construire le temple? Bon, problème vient. Ça veut dire. Dans ma vie, a toujours gagné un problème. Et pour Dieu quitter au vini, pour Dieu pas stack problème au vini, pour Dieu servir avec vous, pour faire nous grandir, pour Dieu servir avec vous, pour apprendre à compter sous lui, nous compter sous connaissance, nous trois. En plus, le monde parle d'examen, c'est parce que vous faut vous ramasser. Et pas parce que vous faut arriver, c'est parce que bon Dieu, vous comptez sur la volonté de bon Dieu. Pas vrai? Eh bien, c'est même bagay qui vient dans la vie spirituelle, nous. Eh bien, en pile, même lorsque nous avons des problèmes, nos difficultés, ça nous fait. Au lieu que nous avons un stress, au lieu de prier, bon Dieu, nous avons un gros, un bagay, nous avons mangé, nous avons la télévision, et puis nous avons une grosse caille là, nous faisons sucre, nous faisons attention, au lieu de nous porter bagay, aller à l'éternel. Expédient a toujours gagné. C'est pour nous éviter ça. C'est pour nous apprendre à faire bon Dieu confiance. C'est pour ne pas apprendre à compter sous tête. Nous, dans tout ça que nous avons appris dans la vie en tant que chrétien, c'est pour nous compter sous l'éternel. Qu'on parle à l'école, qu'on parle à l'université, qu'on rebosse dans le département de l'église, qu'on soit pasteur, que quel que soit le monde qu'on y a, ça qu'on fait là, ce n'est pas au café, mais on dit qu'il fait au nom de l'éternel. Ou apprendre à compter sous l'éternel et bon Dieu a fait tout le bagage au marché dans le temps convenable. Voilà l'expédient. Merci. Tape tande la vérité présente qui tape diffusé à ou même la 12e leçon de l'école du sabbat qui te gen pour titre mourir comme le grain. Donc c'était une belle leçon que nous ouais à travers semaine. Côté que et dans première partie en partie dimanche 11 septembre côté que le pasteur Wilfried Louis-Jean de déchiffrer pour nous qui se savait dire soumission pour le service. Donc, nous besoin pour que nous apprenions, pour que nous soumettions nous. C'est un bagage que nous voyons qui est très rare dans notre culture, dans la culture contemporaine. Côté que nous voyons que en pile de monde, il n'y a pas à les soumettre. Yo. Et c'est donc qu'on est lorsque vous soumettez, vous êtes très bas. Vous sentez que vous perdez valeur. Yo. Cependant, pour que nous capables réussir dans route nous dans journée nous avec bon Dieu et dans tout ça que nous avons fait pour bon Dieu nous besoin pour que nous apprenions à soumettre non seulement au service pour le service mais aussi dans vie quotidienne nous dans relation nous dans vie relationnelle nous en relation toutes sortes de relations il faut que gagner soumission. Nous te ouais aussi dans deuxième partie en partie qui était lundi 12 septembre la sœur Allen l'était parlé non de la mort qui précédait la connaissance de la volonté de Dieu. Cela veut dire yon moun si que vous voulez gain connaissance de bon Dieu, si que vous voulez apprendre pour que vous discerniez le bien et le mal, il faut que vous résiliez pour qu'on capable mourir en vous-même pour détruire en vous-même le vieil homme pour qu'on capable revêtre l'homme nouveau et comme ça pour capable arriver gain connaissance volonté bon Dieu ou capable est-ce que nous capable connaître volonté bon Dieu vrai et bon Dieu pas dit nous ça le pral faire nous pas connaître volonté bon Dieu mais ou capable gain une idée ou capable bon Dieu ka zanmi ou on nous mettre le comme ça. Bon Dieu ka bon zanmi ou. Les bon Dieu c'est bon zanmi ou. Lorsque ou né de nouveau, lorsque ou marche avec bon Dieu ou accompli volonté, eh bien ou capable arriver gen connaissance parole li, connaissance désir li, connaissance ça que le remet, il ta remet pour vous. Et dans troisième partie qui est mardi 13 septembre, nous te parlé de l'empressement à écouter. Côté que nous t'ai montré que le jeune Samuel qui était un apprenti et du prêtre Élie, il était en apprentissage dans le temple.
nous un côté que tu as un contraste entre Samuel avec petit Elio côté que si monsieur Sayo il a fait toute qualité bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir il pas écouter la voix de Dieu et tant coup papa yo mais nous ouais que Eli nous ouais que Samuel dans temps nan bon Dieu t'est venu à trois reprises bon Dieu t'est besoin en relation personnelle avec Samuel bon Dieu t'est besoin initier Samuel dans travail nan. Donc il appelé Samuel pendant trois occasions et Samuel ton petit Jean inquiété il t'a demandé maître li a demandé Eli mais qui s'est passé me t'en voix et nous voyons que Eli pas de croire au début et après ça Eli vient comprendre que c'est l'Éternel qui a pris les petits garçons et il dit allez prochaine fois entendre voir et l'eau dit Paul écoute ton serviteur parle, ton serviteur écoute. Et nous voyons que Samuel, il te suit le conseil que Eli te bali. Donc nous-mêmes, nous devons apprendre pour que nous apprendre pour nous discerner la voix de l'Éternel lorsque la paix appelé nous. Donc, Samuel, l'Éternel a appelé nous autres aujourd'hui lorsque nous en creusons, lorsque nous avons fait face à des difficultés. Nous te voyons en mercredi, côté que mercredi 14 septembre, le pasteur Jimmy. Des détails pour nous, le son qui est important de compter sur soi-même. Pour que nous voyons que c'est dangereux, pour que nous comptions sur propre connaissance. Nous voyons que ça fait bon paquet de monde, ils ont échoué comme ça. Un paquet de monde qui vantard. Nous avons un paquet de prédicateurs, nous avons un paquet de gens, tout, ils vantard. Ils remettent pour nous parler de eux. Ils comptent sur propre connaissance. Yo. Et donc nous voyons que lorsque nous fait ça nous pas réussi nous pas réussi parce que monde qui a pleuvé ou non c'est l'Éternel monde qui capable bon connaissance c'est l'Éternel donc au besoin pour que on compte sur l'Éternel et non pas sur même parce que nous voyons ça a été échoué ça a été échoué parce que il était compté sur propre pouvoir lui donc il était désobéi l'Éternel. Et dans la dernière partie, hein, pasteur Wilfried, dans jeudi qui est 15 septembre, il parle nous de expédient. Nous voyons que c'est pas un mot que nous entendons facile. Connais que c'est un mot qui veut dire, Jean-Pasteur Wilfried est détaillé pour nous. Qui veut dire, y a une façon que vous joignez pour que vous capable faire semblant que y a un bagaille résout. Pour que vous faites semblant que tout bagaille OK. On fait semblant que on cope y aurait les en anglais coping mechanism donc on fait semblant que on gérer situation on tout bagaille fine cependant en fin de compte c'est pas vrai donc lorsque ça arrive donc nous capable causer un pile dégâts à nous-mêmes et auteur non te ban non plusieurs plus trois types d'expédients côté que le capable un blocage côté que nous bloquer problème yo lorsque on fait semblant que on bagaille résout côté que on capable utiliser la logique humaine ou utiliser connaissance ou faire raisonnement philosophie juste pour que on capable montrer que ça dit c'est ça lié donc tout bagaille OK et nous ouais aussi troisième expédient côté que on capable fuir la réalité donc il y a un paquet de monde yo toujours vu dans denial. Donc quelque soit bagaille qui a passé devant yo pas quoi nan yo pas wè réalité du tout et donc on est monde pas dans monde nan du tout donc il va comprendre ça qui a passé il toujours là comme c'est bon bagaille qui vrai donc tout ça ce sont des expédients que on capable utiliser cependant qui pas une bonne chose parce que problème n'a pas résolu vrai on fait semblant que le résout mais pas résout et en tant que thérapeute familial en domaine famille si qu'on utilise bagay sa yo eh ben avant pas bon même avant pas bon plutôt ou exposer tout bagay plutôt ou montrer vulnérabilité ou tant que ou ape utiliser les expédients pour montrer que tout bagay normal tout bagay rose et pourtant c'est pas vrai bien mesdames et messieurs c'était belle leçon que nous avons étudié non espérer que ou capable voir commentaire yo vini puisque nous toujours dit ou nous pas jamais fin gétant pour nous bon tout commentaire yo
Mais on capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. On capable toujours envoyer une note dans etienneministry.com. Côté que nous capable voir commentaire yo, apprendre de yo. Donc nous apprécier commentaire yo. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente. On capable toujours continuer inviter nos amis à abonner. Et si vous pouvez abonner avec Chanel, abonnez à la vérité présente. Afin que vous capable de demander aux amis pour faire de même. Et comme ça, nous capable bien plus de monde qui tombe sur le son yon et qui utilise le son yon. Donc, nous, comme on connaît l'église, yo a fonctionné en personne et en ligne. Si vous voulez suivre Pasteur Wilfried Vigeon, qui a toujours suivi chaque week-end, et surtout dans la belle émission que le gagné, Be a Blessing, chaque jour, chaque matin, à partir de 7 heures, on est capable de suivre là. Et si vous voulez suivre Pasteur Jimmy, qui a suivi chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, ainsi que la sœur Tristan dans l'église Lee en Floride, vous capable suivre sur page l'église Lee dans le département école Sabah bien sûr. Et si vous voulez suivre pasteur Étienne, vous capable suivre moi chaque jour dans belle émission que me gagne à l'heure de la délivrance, du dimanche au vendredi de 6h à 7h. Nous disons merci parce qu'on t'a suivi la vérité présente. Et pour que nous terminions, nous demandons pour couper tête et nous demandons à Pasteur Jimmy qui est capable de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, encore une fois de plus, nous trouvons une grâce devant nous de faire côté de privilège pour que nous sommes capables de présenter le son. Et déjà, on t'a animé ton serviteur, Pasteur Louis-Jean, Pasteur Étienne. Servant tout ce Tristan et ton serviteur. Nous vous remercions pour servir avec nous. C'est un honneur, c'est une faveur pour faire de nous. Et que les amis nous cap suivent, que vous attendez le son, que provision soit capable de préparer nous pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, bénis réjouir pour nous. La vie nous tient en main au nom de Jésus. Amen. Sur la vérité présente qui t'a fait présenter à vous-même la 13e leçon qui est un pour titre mourir comme le grain. Donc nous vous remercions d'avoir été des nôtres et n'a bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Étienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. C'est Alain qui remonte en pile. Oui, Jean Wilfred. Abdou, au revoir et bon sabbat. Dans le Seigneur.